quelque chose pour vous. Les nouvelles pièces ont été installées sur la voiture et les simulations sont bonnes. J'ai hâte d'avoir vos impressions. Voici les détails. Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sous la pluie dans le paddock d'Hockenheim pour vivre ensemble le Grand Prix d'Allemagne qui sera la 12e manche de cette saison 2016 de Formule 1. Nous voici sous la pluie allemande pour la séance d'essai du jour ici sur le fameux circuit d'Hockenheim. Ce circuit de 4,5 km est chargé d'histoire, il a été le théâtre de nombreuses courses légendaires. La séance ne devrait pas tarder à commencer. Toute l'attention est naturellement tournée vers les pilotes, mais il est aussi indispensable que les mécaniciens fassent bien leur boulot, car une seule petite erreur peut influencer le résultat de l'équipe et des pilotes. Ces gars sont tellement méticuleux, ce sont des perfectionnistes. Ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas la même pression que les pilotes. C'est une période intense pour toute l'équipe. Et bienvenue à tous donc pour vivre le Grand Prix d'Allemagne qui s'annonce bien difficile avec une météo changeante et une voiture un peu récalcitrante. On se remet tout doucement de la performance qui était correcte avec une 5ème place lors du Grand Prix de Silverstone que je vous invite à consulter. Et on se retrouve ici avec une voiture et une piste assez bizarre puisque eh bien, dans une partie principale du circuit c'est la vitesse de pointe qui prime un des points faibles de la McLaren. Et pour le troisième secteur, eh bien, c'est le stadium très technique, il faut aussi beaucoup d'appui. Donc on est en train de découvrir ensemble cette piste du Grand Prix d'Allemagne, piste qui a été pour moi totalement défigurée depuis 2001 et la suppression de l'ancien tracé qui traversait la forêt, mais qui était certes ennuyeux visuellement, mais très intéressant. Et techniquement, on se retrouve donc pour un week-end où la météo va jouer un rôle important. On annonce de la pluie pendant la séance qualificative. Vous avez vu que pendant la présentation de cette première séance d'essai libre, eh bien, il pleuvait. Il suffisait d'attendre une vingtaine de minutes et on pouvait partir en piste avec les pneus médiums. Les pneus médiums sont chaussés. Pour ce week-end, il y aura trois trains de pneus, les médiums, les softs et les super softs avec bandes blanches, jaunes et rouges. La première séance d'essai, vous le voyez, se conclut avec comme objectif eh bien, de reconnaître cette piste d'Hockenheim. Vous le voyez, ça va être compliqué dans certains virages de placer la voiture comme il faut avec un train arrière bien récalcitrant, mais on s'en sort bien à l'issue de ce premier round du week-end. Et le vendredi matin se conclut avec eh bien, une bonne performance. Fernando Alonso est quatrième avec des pneus soft, c'est de bon augure, belle performance aussi des voitures italiennes. En tout cas, les moteurs Ferrari fonctionnent bien également du côté de Haas où on est dans le coup, un peu plus en retrait pour Verstappen qui travaille, tout comme par exemple Pascal Wehrlein et Arianto qui sont bien habitués à la fin du travail du peloton. On se retrouve avec le test des pneus et là c'est le début des soucis pour nous. Regardez, le test est complètement raté, impossible de maintenir le gap avec la McLaren. On va donc abdiquer et retirer notre voiture de cette deuxième séance d'essai qui comble de l'ironie en super soft et conclut en 1:17:1 par Fernando Alonso, notre équipier. Samedi matin, il y fait beau temps ici en Allemagne, mais ça ne va pas durer avec le soleil qui nous accueille pour vivre la troisième et dernière séance où la tentative de rentrer un chrono rapide est un petit peu plus agréable puisque la voiture a évolué. On a pas mal réglé la mécanique. Pourquoi ? Bien parce qu'on devrait avoir un petit peu de pluie pendant la séance qualificative, mais la course s'annonce, elle, sur le sec, en tout cas pour une grande partie. On risque de revivre un scénario similaire à ce qu'on a vu par exemple en Autriche. Rappelez-vous, il a plu pendant les 5-6 derniers tours. C'est un petit peu l'idée reprise par les météorologues ici en Allemagne. On continue donc notre troisième séance, cette fois-ci chaussée des pneus super soft pour rentrer le meilleur chrono possible avec notre McLaren. L'objectif est de rentrer à 1:18:264. On va tenter d'y arriver. C'est aussi le premier moment où on se rend compte eh bien, que la voiture a un gros souci avec les pneus super soft, alors qu'habituellement c'est un petit peu le train de pneus pour sauver la course ou la séance. Et là, eh bien, même chaussée de ces pneus-là, la voiture est instable, elle survire, elle souvire, elle est très mauvaise dans les changements de cap, ce qui est particulièrement important ici. Et surtout, eh bien, on a une voiture qui est beaucoup trop souple. On va tenter de corriger ça avant la séance qualificative.
qualificative qui va débuter cet après-midi. Et on conclut malgré tout avec le bon objectif ici. Donc on ramène quand même quelques points de développement et surtout un joli cinquième chrono derrière eh bien, des gens comme Sainz, Hamilton et Rosberg. Ce n'est donc pas rien. Dans le bas du tableau, on retrouve Alonso et surtout eh bien, derrière Felipe Massa qui est un petit peu en retrait, tout comme Romain Grosjean. Découverte des Bonjour, objectifs de cette séance qualificative. Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Et on devra se qualifier au 9e rang sur la grille devant Vettel et Alonso. Bienvenue en Allemagne sur le fameux circuit d'Hockenheim pour la séance d'essai d'aujourd'hui. Les feux de la voie des stands vont passer au vert d'ici quelques minutes pour marquer le début des qualifications. C'est un circuit très difficile pour les pneumatiques, à l'avant comme à l'arrière. Pensez-vous qu'une bonne gestion de l'usure peut garantir une bonne place aux pilotes ? L'usure des pneus fera toute la différence ici, car ils ont tendance à s'abîmer très vite lorsque les pilotes visent un bon chrono. Mais si votre monoplace est bien équilibrée, comme le sont celles de l'écurie Mercedes ou encore Red Bull, vous aurez de bonnes chances. Début des hostilités, le samedi après-midi n'a pas la même couleur dans le ciel que le matin. En EL3, il faisait beau temps, c'est la pluie qui nous accueille pour débuter cette séance de qualification. Et on lance notre chrono, vous le voyez, beaucoup de pilotes sont en pneus pluie. Pourquoi ? Eh bien parce que la pluie a un peu cessé et à 3 minutes 30 exactement de la fin de la séance, eh bien nous sommes en pneus intermédiaires derrière Julian Palmer. On espère qu'il ne nous gênera pas trop. Avec la Renault que l'on devrait normalement eh bien, facilement battre, on va déjà passer devant tous les pilotes qui ont rentré un chrono en pneu intermédiaire et McLaren qui a peut-être une opportunité en jouant avec le chrono eh bien, de mettre ces deux voitures facilement en Q2 qui devrait être également disputé sur une piste changeante. On est sur l'épingle du fond, vous voyez, on tente de ne pas bloquer les roues, on ne peut pas changer de setup puisqu'on est parti avec des setups pour le sec évidemment, donc une voiture très rigide, pas beaucoup d'appui, pas beaucoup eh bien, de roulis. D'anti-rouline surtout dans ces voitures, il faut garder de la rigidité et sous la pluie c'est un petit peu un cauchemar, le manque de souplesse, de pression de pneus, tout ça est bridé évidemment par la règle du parc fermé et on a eh bien, une séance qui s'annonce galère et c'est un peu à qui survivra le mieux. En tout cas c'est Rosberg qui s'en sort bien pour l'instant devant son public, le pilote Mercedes est en tête. On rentre dans le stadium qui est plein à craquer avec eh bien, toujours autant de fans ici à Hockenheim, pourtant eh bien, le Grand Prix a bien perdu en qualité depuis quelques années, avec notamment l'alternance avec le Nürburgring. Et regardez, on va être gêné par Julian Palmer dans la fin de notre tour. C'est incroyable, on est de nouveau gêné alors que Rosberg améliore. Et on va tenter de s'en sortir avec l'aspiration de la Renault. Et on conclut avec le deuxième temps en pneu intermédiaire. Ça met un peu de baume au cœur à l'écurie McLaren. Et on passe donc troisième, Stoffel Van Dorn bien réussi sa Q1. Par contre, derrière, ça a été plus compliqué pour les deux Williams qui sont dehors et en fait, tous ceux qui sont restés en pneus pluie et qui ne sont pas ressortis des illusions pour Toro Rosso qui perd l'une de ses voitures alors qu'ils étaient très bien lors des essais libres. On retrouve une piste sèche pour la deuxième séance qualificative, la Q2. Et vous voyez qu'on est en toute fin de séance puisqu'on a dû attendre que ça sèche puisqu'il pleuvait encore au début de la séance. Et pour profiter d'une piste plutôt sèche mais pas encore gommée, vous le voyez, ça glisse beaucoup. Eh bien, on a attendu du côté de chez McLaren les dernières secondes pour sortir, passer le train de pneus soft qui devrait normalement être alloué à ce que l'on aura sur la grille de départ demain. Donc certains tentent de passer en Q3 en super soft, d'autres tenteront de passer en soft. C'est le cas de Stoffel Van Dorn. Il reste moins d'une minute dans cette séance et donc le dernier tour pour tout le monde. Attention à ne pas bloquer les roues. Pour l'instant, on passe devant la tribune Mercedes. Ici, c'est le virage que déteste le plus Stoffel, il nous l'a dit, c'était vraiment un cauchemar pour lui de sortir de cette courbe avec la McLaren. Le dessin de la courbe ne correspond pas du tout à la compensation grip aéro, grip mécanique de la voiture et c'est eh bien, entre deux vents. Et on conclut avec ce stadium qui est obligé de repasser en troisième ici avec les étalonnages de boîte fixe qui jouent aussi leur rôle. Et on termine avec un très joli 1.17 à 6 et 10e. Est-ce que Stoffel Van Dorn va réussir à passer en Q3? Et oui, finalement, Stoffel sera 5e. Ricardo est passé, Vettel, Verstappen. Belle performance des Red Bull dans cette deuxième séance. Et surtout, la performance du jour est à mettre au titre de Renault. L'équipe Renault qui met deux voitures dans la Q3 grâce notamment aux pneus
marque Supersoft. Et l'information la plus importante, c'est bien pour la lutte pour le titre, c'est Nico Rosberg qui sera 16e sur la grille départ. Le pilote a connu un problème et n'a pu ressortir dans cette troisième séance où le soleil est désormais au beau fixe. La piste chauffe, elle se gomme. On devrait voir les chronos tomber, donc c'est de nouveau au dernier qui sera en piste que la faveur de la meilleure piste, la plus agréable, la plus abrasive, la plus gommée, reviendra. On est dans le secteur le plus rapide ici, avec Stoffel Van Dorn, l'épingle du fond, l'un des endroits où l'on peut dépasser. Il y en a quelques-uns ici à Hockenheim, mais c'est surtout ici que cela va se jouer, et on risque de voir quelques heures, notamment au départ. Ici à droite, on se jette devant la tribune Mercedes, qui d'ailleurs au passage n'a plus son étoile sur le bout de la tribune. Elle a été retirée, je pense, récemment pour être rénovée. Et c'est un petit manquement à noter. On entre dans le stadium, toujours très impressionnant ici. Également la suppression du bidon d'huile d'une célèbre marque qui trônait depuis de nombreuses années au-dessus du paddock. Il a été retiré déjà l'année dernière. Et on conclut le temps de cette Q3 avec un Stoffel Vandoorne qui a beaucoup de choses à jouer en pneus super soft. Est-ce qu'il peut faire un joli chrono? Et il se place pour l'instant 8e devant Jolyon Palmer à une seconde pleine de Kimi Raikkonen. Le classement de cette Q3, vous le voyez avec donc Vettel 3e devant Lewis Hamilton, Alonso 6e et Vandoorne 8e devant les deux Renault. De quoi nous promettre une grille de départ bien originale demain. Il faudra voir qui remontera et qui pourra garder sa position. Bonjour, c'est moi. J'ai vu ce que l'équipe attendait de vous. Je fais suivre et je vous souhaite bonne chance. Soyez prudents. Découvrez donc les objectifs. 9e place, battre Vettel et Alonso. C'est toujours la même consigne, mais encore faut-il l'appliquer. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'ici, à Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes gâtés cette année car le niveau est énorme. En jugé par la marée humaine qui a envahi les tribunes, une bonne partie de l'Allemagne est d'accord avec moi. Ce week-end, la course se déroule dans la vallée du Rhin, le lieu de naissance de quelques-uns des meilleurs concurrents. Les 4,5 km du Hockenheimring demandent de la précision dans la portion technique du stade et une grande vitesse de pointe dans la longue courbe rapide avant la célèbre zone de dépassement de l'épingle du virage 6. Attendez-vous à voir les concurrents se talonner aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai accompagné de Nicolas Martin, Mercedes coureur à domicile. Dites-moi, à votre avis, pensez-vous que l'attitude d'une écurie change dans ce cas? C'est vrai qu'une victoire à domicile, en plus de l'avantage marketing, joue sur la corde de la fierté nationale. Pensez-vous que ça aura une influence sur la course? Pas vraiment, pour être honnête. Il est certain que la motivation est plus grande, et le fait que l'écurie court à domicile rend la course un peu plus importante. Mais finalement, tous ces gens sont des professionnels. Les écuries veulent gagner toutes les courses et les enjeux sont incroyablement élevés à ce niveau. Donc ils se donnent à 100% tous les jours, tout au long de l'année, que ce soit à domicile ou non. La saison se passe plutôt bien pour nous. On peut se permettre de rester ambitieux. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Kimi Raikkonen part en tête du peloton, suivi de l'Australien Daniel Ricciardo en deuxième position après sa belle performance. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Hamilton, Max Verstappen et Alonso, Sainz et une McLaren, Magnussen et Jolyon Palmer, Grosjean, Perez, Felipe Nasser et Arianto, Wehrlein, Rosberg, Felipe Massa et Daniil Kvyat. Bottas et Hülkenberg, Esteban Gutiérrez et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. L'embrayage fonctionne comme il faut, la boîte répond bien. Tu dois faire chauffer les gommes et les freins, ils doivent être chauds à la fin du tour. Le tour de formation qui prend forme avec, vous le voyez, la grille de départ qui compte quelques surprises. On va les passer en revue alors que les pilotes tentent de faire chauffer leurs pneumatiques et leurs freins. Deux informations principales. La première, c'est qu'il devrait pleuvoir pendant ce Grand Prix et on devrait assister à un changement de météo dans le troisième tiers de cette épreuve. Des risques de safety car, il y en a. Attention aux moteurs qui sont soumis ici à parfois rudes épreuves avec de longues lignes droites. La grille de départ, donc, je vous le disais, réserve quelques surprises. Les deux Renault de Kevin Magnussen et de Jolyon Palmer partiront 9 et 10e. Voyons si derrière les pilotes plus véloces qui ne se sont pas bien qualifiés
pourront tirer profit de cette différence et revenir devant les monoplaces jaunes. Devant, eh bien, il manque une Mercedes, celle de Nico Rosberg, puisque Lewis Hamilton est tout seul. Attention, on ralentit beaucoup là du côté de Sainz. Eh bien, je vous le disais, donc Nico Rosberg partira 16e sur cette grille de départ. On doit surveiller l'un des nombreux régionales de l'étape entre Mercedes, écurie allemande, et le nombre de pilotes croissant, Nico Hülkenberg, Sébastien Vettel, Nico Rosberg notamment. Eh bien, il y en a du monde pour qui c'est important de briller ici. L'entrée dans le stade, vous voyez, plein à craquer. Gros succès de foule aujourd'hui, malgré les conditions un peu difficiles. Devant, tout le monde partira en pneus super soft, hormis un pilote, Stoffel Vandoorne, qui devrait partir avec les pneus soft. Et surtout, pense pouvoir gagner un arrêt si la pluie arrive avec un deuxième relais effectué sur les pneus médium. Pour l'heure, il n'en est rien. On va laisser le dernier Grand Prix de la première moitié de cette saison avant la trêve estivale débuter. Et ça commence par la mise en grille de ce Grand Prix d'Allemagne 2016. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Les diodes qui s'allument au-dessus de la grille de départ de Hockenheim. Extinction des feux et c'est parti avec un bon envol de Lewis Hamilton à l'intérieur. Et de Fernando Alonso, il faut que tout le monde puisse passer. Oh, et le contact entre Hamilton et Alonso. Mais le pilote anglais peut s'en sortir un petit peu mieux. Derrière les Williams sont des difficultés. Oh, et derrière, il y a déjà une Force India qui tente de prendre l'avantage. Attention à Stoffel Vandoorne sur l'extérieur peut-être pour prendre l'avantage sur Sébastien Vettel. On ne le voit pas à l'image. Et c'est bien Kimi Raikkonen qui mène devant la Red Bull, mais est-ce que Lewis Hamilton peut aller chercher la deuxième position? Derrière, on est à 3 de front. Il faudrait se renseigner pour les deux McLaren. Voilà, qui prennent Vettel en sandwich. Oh, et Alonso et Vettel qui sont entrelacés sur l'extérieur. Est-ce que ça peut passer? Verstappen prend l'avantage. Et je crois que Perez va passer. Et aussi Magnussen. Oh, les Renault qui sont prises là en sandwich. Et Palmer qui est resté spectateur de tout cela, pensant peut-être en profiter, mais il n'en est rien. Oh, et Alonso qui perd beaucoup de positions dans ce premier départ. Ici, c'est Daniil Kvyat qui est en difficulté. On le voit après avoir pris un bon envol. Et c'est Sainz qui est devant Alonso. Les deux Espagnols qui ne se lâchent plus décidément. Et Nico Rosberg derrière a pris un très mauvais départ. Il a perdu des places, le pilote allemand. Première entrée dans le stadium sous le commandement donc de Kimi Raikkonen, qui mène cette épreuve devant Verstappen. Troisième place pour Stoffel Vandoorne, semble-t-il. Non, quatrième place pour Vandoorne. Voilà, il y a un décalage chez nous avec le transpondeur à l'écran. Donc c'est bien Raikkonen, Hamilton, Ricardo, Vandoorne, Verstappen. Voilà, Ricardo troisième de cette épreuve à la chasse de Lewis Hamilton. Pas encore de DRS. Ça ne sera disponible pour les pilotes qu'à partir du prochain tour de ce Grand Prix d'Allemagne. Mais peut-être que c'est sans cet artifice que Ricardo va aller chercher la deuxième place du Grand Prix l'Australien. Freinage de l'épingle en pneu super soft. Il a l'avantage et du pneu et de la trajectoire et c'est fait. Et Hamilton ne peut que résister. Oh, peut-être le retour de la Mercedes. Et non, ça reste troisième et tout cela, eh bien, c'est tout bénéfice pour Kimi Raikkonen qui commence à fuir loin devant en tête de cette épreuve. Et un départ pour l'instant propre, on n'a pas perdu de voiture, les 22 pilotes sont toujours en piste. Ça fait plaisir de voir que depuis quelques années, eh bien, le nombre d'accidents au départ se réduit. Deuxième tour avec Stoffel Vandoorne. En pneus soft, tout comme Lewis Hamilton, c'était les deux seuls en tête qui étaient partis avec ces pneus-là. On devrait avoir un arrêt aux alentours du 7-9e tour pour ceux qui sont en super soft. Et c'est Daniel Ricciardo, le pilote le plus rapide en 1:20.580. Et la direction de course qui informe les pilotes que désormais le DRS est disponible ici. Et attention parce que Verstappen en pneus super soft avec le DRS, voilà, il suffit d'en parler, on retrouve Max. Éventuellement aller chercher le Belge. Alors la lutte belgo-néerlandaise entre ces deux-là est assez intense. On rappelle que le prochain Grand Prix sera dans un coin familier. Oh, et Raikkonen derrière. Alors que devant, on a vu Lewis Hamilton reprendre l'avantage sur Daniel Ricciardo.
Et on a derrière les manœuvres qui sont bien placées, hein, les manœuvres qui sont vraiment bien, elles sont 13 et 14e alors que l'on a des petits soucis. Plus loin dans le peloton, on voit Nico Rosberg en train de s'énerver, de tendre le poing à certains pilotes. Oh attention, Van Dorn qui est allé au large. Il faudra aller voir derrière si Verstappen ne peut pas profiter des approximations du pilote belge en ce début d'épreuve. Et voilà, ils sont de retour avec Vettel derrière qui a même eh bien, pu récupérer un petit peu d'espace par rapport à Verstappen. Et on bloque les roues du côté du pilote belge, c'est pas l'idéal. Et on conclut un nouveau tour ici et c'est désormais Hamilton qui s'empare des rênes de la course avec le tour le plus rapide. Oh, et Van Dorn qui percute le panneau de DRS. Stoffel Van Dorn qui vient d'envoler la frigolite du DRS. Oh, il a peut-être endommagé son aileron avant. Ouais, on entendait effectivement que c'était pas la folie pour Van Dorn avec son train avant. Et derrière, ça va permettre à Max Verstappen de revenir avec le DRS. Peut-être pas de porter une attaque, mais de revenir. Le moteur Renault de la Red Bull ne peut pas faire le travail. Mais bon, il s'est rapproché déjà. C'est une bonne chose. Et vous voyez donc les Renault derrière en lutte toujours avec les Williams qui sont en train de vivre un cauchemar dans ce début de Grand Prix d'Allemagne. Au départ de Romain Grosjean qui a gagné quelques positions également, le Français. Il s'en sort pour l'instant bien dans ce Grand Prix d'Hockenheim. Et on voit derrière eh bien, Sergio Pérez qui suit les meilleurs, hein, les six premiers. On va dire ça. Les Red Bull, les Ferrari, la Mercedes et la McLaren. Et ensuite, eh bien, il y a Pérez, Force India qui sont à l'affût après une première moitié de saison difficile. Alors que l'on peut commencer déjà un peu tôt, mais à part les transferts, alors qu'Hamilton enchaîne les tours les plus rapides. Je ne serais pas étonné de voir le pilote britannique prendre d'ici peu la tête de ce Grand Prix avec ses pneus super soft. Kimi Raikkonen devra trouver la manière de résister, mais pour l'instant, un beau travail effectué par le Britannique. En tout cas, pour parler des transferts, on a la rumeur qui continue d'enfler de la perte du baquet de Rio Haryanto pour le prochain Grand Prix. Les sponsors du pilote indonésien ne pourraient plus assurer les 15 millions qu'il reverse à Manor. Et ça pourrait lui coûter sa place au profit de peut-être un deuxième Français sur la grille de départ. Mais on dit que rien ne pourrait se jouer avant l'arrivée à Spa. Mais Esteban Ocon pourrait faire ses débuts en Grand Prix. Pour l'année prochaine, on parle déjà des transferts. Ça ne devrait pas beaucoup bouger dans les équipes. La confirmation prochaine d'éventuellement pour Stoffel Van Dorn chez McLaren, puisqu'il n'a pour l'instant qu'une option pour 2017. Chez Ferrari, ça ne bouge pas. Chez Red Bull non plus. Mercedes, n'en parlons pas. Il pourrait y avoir du mouvement chez Renault avec Nico Hülkenberg qui commence à être dans les petits papiers de Frédéric Vasseur. Derrière Nico Rosberg, justement, toujours bloqué derrière, je pense, eh bien, ce n'est pas Sergio Pérez, c'est Nico Hülkenberg, justement, les deux Allemands qui sont en train de vivre un Grand Prix à domicile plutôt difficile, alors que devant on voit les opportunités. Voilà. Alors, quel Toro Rosso est là en train de se battre avec Marcus Ericsson? C'est derrière, derrière Rosberg. Oh, Van Dorn, vous le voyez. Ouais, Van Dorn qui doit aller au large. Ça ne va plus pour Stoffel. Et attention, il doit résister avec les pneus soft à Max Verstappen, prêt lui à en découdre. Même si pour l'instant Max est en retrait, il vient de se faire passer par Sébastien Vettel, hein, le pilote local, le héros local, j'ai envie de dire. Ah, les premiers arrêts, ça commence à rentrer. Et c'est Daniel Ricciardo, je pense, qui inaugure le bal. Voilà. Alors, est-ce qu'on va monter des pneus soft? Oui, chez Red Bull. Les pneus à flanc blanc et un très bel arrêt pour les mécaniciens de l'équipe autrichienne. Ça sort également pour Vettel en pneus soft. Ici, c'est Valtteri Bottas en pneus super soft. Tiens, on remet un deuxième train de super soft. Est-ce qu'on passe en soft? Oui, là pour Kevin Magnussen. Et reste donc Marcus Ericsson qui remet un deuxième train de pneus soft. Alors effectivement, deux stratégies s'offrent aux pilotes aujourd'hui, soit deux arrêts avec un train de super soft, un soft et un hard, ou eh bien deux relais avec les pneus super soft et un relais avec les pneus soft et un deuxième relais avec les pneus soft, donc deux super tendres et deux tendres. Attention, Romain Grosjean qui continue d'attaquer ici avec Rio Haryanto, on en parlait il y a quelques minutes, l'Indonésien.
qui résiste pour l'instant à du beau monde hein, derrière lui. Là encore, Felipe Massa, Valtteri Bottas qui vient de rentrer va peut-être pouvoir grappiller avec son undercut quelques places. On voit Vettel qui a également bien repris depuis sa sortie des box puisqu'il s'est fait passer par Verstappen. C'est dommage, toujours chez Ferrari, cette approximation dans les arrêts qui coûte parfois une place ou l'autre. Alors, l'arrêt pour Van Dorn, c'est cette fois-ci, c'est un peu tôt pour un pilote en pneu soft. Attention à ne pas dépasser les 80 km/h. Ouais, on est avec le petit coup de frein qui va bien. Une autre voiture rentre derrière, c'est je crois Verstappen, voilà. Et Carlos Sainz, alors que Julian Palmer s'engouffre également dans la pit lane, la deuxième Renault. Et on monte des pneus durs, attention, enfin les pneus médiums, les gommes les plus dures pour Van Dorn. Alors, est-ce qu'on tenterait pas de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie? Rappel à Van Dorn qu'il faut rester loin de cette ligne blanche. Il repart derrière un mauvais arrêt chez McLaren. On repart derrière le trafic. Là, il y a Rosberg, il y a Massa qui sont dans ce trafic-là. Et l'arrêt, par contre, là, qui peut être cool pour les pilotes de l'équipe américaine. Tu es dixième, dixième. Massa devant. L'écart est de moins d'une seconde. Il chausse des pneus tendres usés. Il est à moins d'une seconde. Il chausse des pneus tendres usés. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 15 tours. 27 tours. Alors qu'on faisait un point à la radio pour Stoffel Van Dorn, c'est Massa qui s'est effacé malgré les pneus soft. Van Dorn est avec des pneus neufs. Oh, et attention, Julian Palmer qui a visiblement abandonné ce Grand Prix. Et chez nous, il est au ralenti, effectivement. Attention. Et voiture de sécurité. Oh, Stoffel Van Dorn qui a failli percuter Nico Rosberg. Alors attention, il doit repasser le pilote allemand. Et voilà, on découvre que se passe-t-il pour Julian Palmer qui est au ralenti, semble-t-il. Ah, peut-être un problème de boîte. Ah là là, c'est un petit peu une catastrophe. Alors ça va profiter à tous ceux qui n'ont pas, pour l'instant, ravitaillé. Rosberg ne rentre pas. Nico Rosberg en pneu. Et oui, parce que Nico Rosberg, rappelez-vous, il était parti en pneu médium, lui. Et bien voilà, ça va nous remettre Nico Rosberg dans la course avec des pneus usés. Mais dans la course, il est sixième, le pilote allemand, alors qu'Hamilton rentre pour un deuxième arrêt. Ah, c'était pas forcément prévu. Raikkonen également, mon premier arrêt pour Hamilton. Décidément, notre écran de contrôle nous dit beaucoup de bêtises parce que je n'avais pas vu rentrer le pilote britannique qui va donc ressortir plus que probablement. Et derrière, tout comme Kimi Raikkonen, on a vu passer donc Van Dorn et Rosberg qui sont désormais devant ces deux-là. Et donc, qui mène ce Grand Prix? Vettel. Alors, ce serait Vettel en tête devant Ricciardo. Verstappen, Rosberg et Van Dorn, c'est ce qu'on nous donne. Ah non, Lewis Hamilton est en tête. Et bien voilà, la safety car qui a permis aux autres pilotes de les dépasser. Ah oui, donc ça va changer beaucoup de choses s'ils ont pu doubler la safety car. Déjà, on est parti pour une longue procédure, ça on peut vous le dire, le temps que tout le monde vienne se remettre derrière. Donc on aurait en tête Lewis Hamilton devant Kimi Raikkonen. Il viendra ensuite les Red Bull, Rosberg, Stoffel, Van Dorn. Mais où est Sébastien Vettel? Il faudrait vérifier parce que là, on n'a pas toutes les infos. Et donc, voiture de sécurité dans le 10e tour de ce Grand Prix. Vous la voyez. Et ça risque de durer un petit moment. Et vous voyez, nouveau tour couvert avec donc Raikkonen, deuxième. Derrière, il y a les Red Bull. Et toujours Sergio Perez. Sergio Perez parti en pneu médium qui, comme Rosberg, n'a pas ravitaillé. Et profite de cette voiture de sécurité pour se replacer dans la zone des points. Alors attention, parce que tout cela est primordial pour ce qui va se passer pour la suite du championnat. Et on confirme à Stoffel Van Dorn qu'il n'y a pas de pluie prévue dans les prochaines minutes. Ce n'est pas ce que nous dit notre radar. Attention. Pneu super tendre à ton prochain arrêt. Alors, on devrait monter des pneus super tendres à Stoffel Van Dorn. Alors ça, c'est intéressant. Voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Et fin du 12e tour de course, la voiture de sécurité va rentrer. On découvre Lewis Hamilton. Aux commandes de la safety car.
Alors, on va pouvoir relancer cette épreuve. Attention parce que les moteurs vont souffrir, ils ont surchauffé. Et on relance, voilà, régime de drapeau vert ici à Hockenheim, Hamilton en tête devant donc Kimi Raikkonen. Et il s'engouffre dans le premier droit, les deux Red Bull à l'affût également derrière. On va suivre Sébastien Vettel en difficulté, il est 9e le pilote allemand avec le jeu des arrêts au stand. Et Stoffel Vandoorne qui a réellement l'opportunité d'aller chercher Nico Rosberg puisque les pneus du pilote allemand sont en bien moins bonne forme que ceux de la McLaren. Et pas encore de DRS, attention devant parce que l'attaque de Kimi Raikkonen, il est en tête, le pilote finlandais au freinage de l'épingle. Ah, c'est pas le meilleur plan à nous montrer pour voir ce qui se passe derrière, mais c'est fait. Raikkonen qui s'empare de la tête du Grand Prix d'Allemagne, vous le voyez alors que derrière Romain Grosjean est en train de faire une formidable remontée. La Haas qui est désormais 9e de cette épreuve, alors que les Renault ont un petit peu dégringolé au-delà du top 10. Donc Raikkonen, Hamilton, Ricciardo, semble-t-il. Ensuite, on aurait Perez qui serait là. Et Perez et Rosberg doivent tenir et ça va pas être simple avec derrière Vettel avec les pneus neufs et Vandoorne avec les pneus neufs également. Et c'est officiellement le premier tour mené par la Ferrari de Kimi Raikkonen. Voilà. Perez qui doit résister à Vandoorne désormais. Voilà Rosberg qui a été dépassé par Stoffel. Le chemin vers l'épingle du fond. Alors, est-ce que Perez peut résister? Perez qui est en pneu soft, lui. Eh bien non. Même pas le temps de laisser le doute aux spectateurs. Perez est battu. Alors là, une nouvelle fois, la stratégie décalée de Vandoorne pourrait lui être favorable puisqu'en fin de course, il pourrait être le plus rapide avec les pneus super soft et le réservoir vide, ce qui pourrait lui permettre notamment d'inscrire le meilleur tour en course. L'écart avec le pilote de devant est de 1,3 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. La fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre dans 9 tours, 21 tours restants. Bon, alors que derrière, Perez qui doit résister. Ah, c'était très tendu là entre les deux. L'explication. Oh, et Vandoorne qui s'est un petit peu loupé. C'est toujours difficile pour Stoffel dans ce virage-là. L'entrée dans le stadium, donc toujours sous le commandement de Kimi Raikkonen, mais Lewis Hamilton n'a pas terminé son explication avec le Finlandais. Et avec Ricardo, ils sont à 3 à filer un petit peu. Vandoorne qui ralentit le peloton avec ses pneus médiums. Oh, et il perd beaucoup d'adhérence là, le pilote belge. Et il reste encore 20 boucles. Il n'est pas au bout de son relais. S'il est déjà. Oh, il va même à l'extérieur de la piste. C'est pas la folie pour Vandoorne en ce moment. On est avec Romain Grosjean, je vous le disais, qui fait pour l'instant un formidable Grand Prix d'Allemagne avec sa Haas. Devant Fernando Alonso pour le moment. C'est bien pour Romain. Voilà Alonso. Avec le DRS, il peut se passer quelque chose. Oh, et devant, Hülkenberg est en grosse difficulté. Il est derrière Verstappen. Et je crois devant, serait-ce Daniil Viat qui est là. On vérifiera ça, même si Viat était un peu plus loin, je pense, dans le peloton. Je crois que c'est Sainz, cette Toro Rosso. Effectivement. Allez, l'attaque à l'épingle. Oh, est-ce qu'à l'extérieur, ça peut résister pour Verstappen? Et Sainz qui touche Verstappen, mais qui ne peut pas passer. Grosjean va en profiter. Et voilà l'opportunisme du pilote franco-suisse. Oh, et Alonso à l'intérieur, ils sont à 3 de front. Oh, ça ne va pas passer. Et Alonso qui parvient également à s'infiltrer, mais ça résiste. Oh, l'entrechoquage des roues. Et les deux Espagnols qui ne se font pas de cadeaux depuis le début de ce Grand Prix d'Allemagne. L'avantage peut-être à Alonso. Et c'est passé, c'est passé. Non, ça résiste toujours. Ça y est, il est devant maintenant. Et bien voilà, Romain Grosjean qui a gagné en l'espace de quelques virages de position. Voilà, le Français à l'image, belle performance. Il continue avec la Haas qui se développe bien. Allez, avec Vandoorne qui conclut le 15e tour pardon, de cette épreuve allemande. Et toujours la tête de course pour Kimi Raikkonen. Mais on sent que Lewis Hamilton va pouvoir peut-être aller chercher le Finlandais, alors que regardez, le ciel est en train de se charger complètement. Oh, il y a une lutte devant, il y a une lutte entre Nico Hülkenberg et Max Verstappen. Et Grosjean qui continue, le gap de Grosjean est incroyable, il est aussi rapide que les voitures devant lui, qui sont chaussées de pneus médiums. Certes, regardez Grosjean qui va créer la troisième ligne, il double la Red Bull avec l'aspiration, incroyable. Grosjean qui va se replacer devant. Terrible, Verstappen ne peut rien faire avec des pneus soft pourtant.
Eh bien, Romain, qui est en train de faire le Grand Prix de sa saison, peut-être. De quoi faire eh bien, du bien au moral avant la trêve estivale et la rentrée à Spa. Regardez ce ciel chargé de nuages. Il fait gris ici à Hockenheim. Alors, visiblement, les informateurs, les spécialistes de la météo nous ont informé que, eh bien, il devrait certes pleuvoir, mais pas avant au moins une demi-heure. Donc, ce serait pour les dernières encablures de ce Grand Prix. On restera quand même avec un œil sur la vitre de notre cabine pour jeter de temps en temps l'œil vers le ciel et regarder eh bien, si des gouttes ne viennent pas s'y déposer. Vettel, dont le Grand Prix est plutôt difficile, bloqué toujours derrière Perez, le pilote allemand. Les Allemands qui ne sont pas à la fête hein, pour l'instant. Hülkenberg en difficulté, Vettel également, Rosberg qui s'en sort mieux, mais qui a du mal. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,2 secondes. Et Vettel qui va aller chercher Perez. Et c'est fait avec les pneus soft. Et alors là, il va faire nuit noire ici. On va bientôt devoir allumer la lumière dans notre cabine. Oh, et Romain Grosjean qui cède une place. Bon, il va peut-être aller la rechercher. Il est très très chaud, Romain. Dans le diffuseur de Max Verstappen. Alors, Verstappen a dépassé. C'est pas mon fond de cœur. Hein, donc, il va falloir se cracher dans les mains pour le Français. Difficulté avec ses pneus médiums. Et à la radio, ça barde. Il faut trouver une solution pour le Belge. Assez rapidement. Parce que là, je crois que son relais doit encore tenir aux environs de 6 tours. Et je pense que Vettel va repasser devant le pilote belge. Il ne peut pas en être autrement vu la vitesse montrée par la McLaren. Et on ne sait pas quoi dire avant d'en pour la météo. Tiens, tiens, c'est intéressant. On ne se prononce pas. Attention, Vettel derrière à l'aspiration. Il revient sur la McLaren, mais qui ne peut pas porter d'attaque pour l'instant. Mais la jonction est faite pour Vettel avec les pneus soft. Ah oui, c'est le relais le plus dur pour Van Dorn avec les pneus médiums. On sait que la McLaren n'aime pas ce train de pneus. Malgré le frais, on sait que la McLaren fonctionne bien dans les conditions fraîches et de pluie. On a pu le constater notamment à Spielberg en Autriche et bah, s'il pleut pourquoi pas rééditer l'exploit. On va partir vite en besogne mais oh, attention, attention, et Vettel qui passe, Vettel qui passe, Van Dorn ne peut rien faire, la McLaren qui annonce la couleur, le rythme est bien meilleur que lors des essais mais il fait plus frais et ça ne suffira pas à résister. Regardez, oh, à l'extérieur peut-être, et l'arrêt au box pour Vettel, eh bien voilà. Ce qui expliquait que l'Allemand était très rapide et devant. Qui est en train de rentrer? Eh bien, c'est Ricardo. Ricardo, est-ce qu'on va monter les softs ou les durs? On monte les médiums. Voilà, les deux les plus durs, donc. Arrêt également pour la Force India. Et on met des softs. Ah, les softs pour Perez, intéressant. Et l'arrêt de Fernando Alonso qui monte, lui, les softs aussi. Ça ressort pour une des Toro Rosso. Grosjean qui arrive pour un arrêt. Pardon, Gutiérrez. Drapeau jaune, que s'est-il passé? Oh, l'abandon pour Romain Grosjean, c'est pas possible! Et safety car déployé! Romain Grosjean qui vient de casser son moteur, on nous l'annonce sur notre écran. Ah, c'est catastrophique pour le Français, il faisait une course formidable! On revoit ce qui s'est passé pour Romain dans la ligne droite. Ah oui, le moteur Ferrari. Et pourtant, les moteurs Ferrari qui n'ont pas beaucoup rendu l'âme cette saison. Ah, quel dommage pour Romain Grosjean. Et on a entendu que ça ne tournait plus rond dans la Haas et c'est terminé. Mais surtout, et ça signifie la sortie de la voiture de sécurité, ce qui va redistribuer les cartes avec l'arrêt effectué par certains. Est-ce que c'est l'opportunité peut-être d'avancer le deuxième arrêt de Stoffel Van Dorn? Est-ce que chez McLaren on se tient prêt? Oui, je pense que l'on va monter les pneus soft plutôt que les super soft. On va tenter d'aller au bout pour Van Dorn. Et voilà. Attention à respecter le 80 km/h. Oh, ça va être tout juste. Oh,
C'était bien joué. L'arrêt au box du pilote belge, on monte des pneus soft, on va aller au bout, on sort aussi chez Manor, on sort chez Haas, Verstappen qui monte des durs. Verstappen il ira au bout, lui c'est sûr, avec ces pneus là, Van Dorn il lui en manquera deux de tours. Selon les estimations de Pirelli, ça va aller au bout aussi pour Sainz qui doit laisser rentrer Rio Arianto. Voilà l'Indonésien, dont c'est peut-être le dernier Grand Prix. Et dans le 20e tour, les voitures sont donc sous régime de safety car. Et voilà, vous découvrez la voiture de sécurité avec donc Lewis Hamilton en tête de ce Grand Prix devant Kimi Raikkonen et Stoffel Vandoorne, troisième avec des pneus neufs et des pneus tendres surtout. Suivez bien Ricardo, Rosberg, Verstappen, Vettel. Et bien voilà la course qui a un autre visage avec le soleil qui revient. Regardez ça, il fait beau temps ici alors qu'il y a quelques minutes c'était dans un état proche de l'apocalypse. Dans le ciel d'Hockenheim, 22e tour de course, on est toujours sous safety car et ça va être le dernier tour sous ce même régime. Jusqu'à la première ligne de la voiture de sécurité, garde ta position jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Allez, on chauffe les pneus et Van Dorn qui a un réel potentiel avec les pneus soft et le carburant utilisé, économisé pendant le début de ce Grand Prix, il va pouvoir passer à l'offensive et peut-être aller chercher avec l'aide du DRS Kimi Raikkonen. On passe proche de la ligne du transpondeur. Oh regardez, il est à côté. Il est à côté. Voilà, et là il peut passer. Oh. Et l'abandon d'Alonso. Incroyable. La McLaren qui s'est arrêtée au moment où la course est relancée. Et oui, casse moteur pour la McLaren. Le bloc Honda qui vient de rendre l'âme devant nous. Vous ne l'avez pas vu, mais la fumée revient jusque devant nous ici dans la tribune, alors que devant, eh bien c'est un bon envol pour la Mercedes de Lewis Hamilton qui doit résister désormais aux assauts de Raikkonen. Derrière, bonne pioche pour Van Dorn avec les pneus soft. Est-ce qu'il peut porter une attaque? Il est un peu derrière. Oh, Rosberg par contre ne va pas se priver d'aller chercher. Nico Rosberg, voilà, va aller chercher à l'épingle la voiture de Daniel Ricciardo. C'est fait, Rosberg, quatrième de ce Grand Prix. Il partait 16e sur la grille de départ après être resté en pneu intermédiaire pendant la Q2 hier. Et si Rosberg allait gagner le Grand Prix, on rappelle qu'il y a 3 points d'écart au championnat entre Hamilton et Raikkonen. Oh, ça part large pour Van Dorn. Attention, les pneus peut-être pas en température. Il y a quelque chose à tenter pour Van Dorn. Le blocage de roue, on est à l'attaque maximale. Et on ne peut pas doubler drapeau jaune. Et les commissaires qui préviennent les pilotes qu'il faut évacuer. La McLaren blessée. L'arrêt au stand. L'arrêt de Lewis Hamilton, le leader. Et ça, c'est une petite catastrophe, si vous voulez mon avis. Parce que là, c'est en rythme de drapeau vert que l'on rentre pour le Britannique. Et ça n'était peut-être pas prévu. On monte des softs. Il va aller au bout. À moins qu'il y ait une nouvelle safety car. Je pense que Lewis Hamilton et Mercedes viennent de faire perdre le Grand Prix aux Britanniques. Quelle stratégie particulière. Je ne pense pas que c'était la bonne solution. On est avec Alonso. Ah oui, à la relance là. Perte de puissance pour Alonso. Ah, c'est dommage alors qu'on était... Voilà, au moment où il relance, il réaccélère et la voiture ne veut pas savoir ce qui se passe. Peut-être un peu d'huile aussi sur la piste dans ce dernier gauche. Et droit même. Nous a pas alerté outre mesure. Et bien du coup, la lutte pour la deuxième place se transforme en lutte pour la tête de course avec Raikkonen et Van Dorn, puisque eh bien Lewis Hamilton s'est éliminé tout seul. Incroyable. Oh, et peut-être l'attaque de Van Dorn. Raikkonen qui doit ouvrir la porte. Bon, alors que derrière c'est la foire d'empoigne. Massa qui est avec, je crois, Sainz et Arianto à 3 de front. Bon, Massa qui donne le petit coup de volant nécessaire pour s'en sortir. C'est pas la folie du tout hein, pour les Williams. Et Sainz c'est derrière qui se retrouve eh bien, à la lutte avec une Manor aux portes des points. C'est terminé pour Fernando, il doit retirer sa voiture de la course. Et on informe Van Dorn que c'est terminé. C'est terminé pour Alonso et on se retrouve avec donc... Eh bien, trois voitures en tête. Et qui avait prédit que Raikkonen allait se battre pour la victoire déjà avec Van Dorn et Rosberg?
Et un nouveau tour conclu par le Finlandais en tête du Grand Prix, mais ça ne devrait pas être le cas encore pour de nombreux tours avec un Van Dorn très incisif qui va désormais profiter du DRS pour pourquoi pas s'emparer de la tête du Grand Prix, et c'est fait! Oh, et croisement peut-être pour Raikkonen. Ouais, voilà, ça va permettre à Van Dorn de récupérer le DRS, ils sont côte à côte. Alors qu'ils s'entament la ligne droite, attention parce que là on va être à 3. Ils sont à 2 de front, Rosberg qui crée la troisième ligne. Et Rosberg qui va prendre la deuxième place, Raikkonen qui va perdre 2, peut-être même 3 places avec Ricciardo, le blocage de roue. Oh, pour l'Australien, et Raikkonen qui passe de premier à quatrième en l'espace d'une ligne droite. Avec ces pneus qui ne sont plus en bonne forme. Et donc ne vous méprenez pas, c'est bien Nico Rosberg qui mène le Grand Prix d'Allemagne. L'attaque au freinage de Stoffel Vandoorne, superbe. Et le contact avec Ricciardo qui est allé percuter le ponton de Nico Rosberg. Ils ont perdu beaucoup de temps, les deux pilotes derrière Vandoorne. Et bien voilà, la McLaren est en tête. Qui aurait prédit ça? Alors qu'il va rester moins de 10 tours, il n'aura pas assez de pneumatiques. Vandoorne, je crois qu'il va devoir opter pour un nouvel arrêt, sinon il va prendre de gros risques. Mais c'était ça, de monter les pneus soft. Il faut maintenant prier pour qu'il y ait encore quelque chose comme une safety car ou un changement de météo pour peut-être redistribuer les cartes. Mais pour l'instant, c'est Rosberg qui passe par les box. Et ça laisse donc Ricciardo et Raikkonen 2 et 3e de ce Grand Prix. Et donc les deux Mercedes qui auront complètement passé leur Grand Prix à côté de la bonne stratégie d'arrêt au stand, et ça va leur coûter, je pense, la victoire, voire le championnat. Le premier segment de cette saison 2016, la première moitié qui se conclut avec, pour l'instant, une soupe à la grimace pour Mercedes qui pouvait viser le doublé sans problème à la maison. Alors on se retrouve avec des voitures qui sont toutes égales en niveau performance et qui pourraient tenter leur chance. Ah, première information importante concernant la météo. Alors nous, on l'a pas sur notre radar en cabine, mais du côté de chez McLaren, on semble persuadé qu'il va pleuvoir du côté de la fin de course. Et donc on demande du côté de Van Dorn à monter les gommes intermédiaires. Et on prépare déjà les gommes pluie dans certaines équipes. On voit qu'on est prêt aussi, alors pas pour les monter évidemment, prenez bien note de ce que je vous dis. Ce n'est pas les mécaniciens qui sortent avec les gommes intermédiaires, ce sont bien les rails et les couvertures chauffantes qui sont placées en bord du stand. Et tour couvert en tête par Stoffel Vandoorne, le 26e, avec une belle avance sur des pilotes derrière avec des pneus moins rapides, mais qui eux sont capables d'aller au bout de cette épreuve. Regardez, 2 secondes 8 sur Ricciardo et Vettel, 3e. Allez, on est avec Rio Arianto qui est chassé par Lewis Hamilton avec une voiture plus performante et des pneus bien plus frais. Lewis Hamilton qui est en train de ruiner son Grand Prix. Mercedes qui, j'ai envie de dire, boit la tasse, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Quelle désillusion pour Mercedes. Attention, parce qu'il va devoir aller au DRS chercher la Manor. Oh, qu'est-ce qui se passe avec la Manor? Les deux voitures se touchent. La Manor qui ne voit pas Hamilton. Les deux voitures dans le mur. Hamilton, le leader du championnat, emmené dans le rail par une Manor. Et Rio Arianto qui, je pense, vient de signer la fin de sa carrière en Formule 1 avec ce dépassement. Oh là là, les deux voitures arrêtées en bord de piste, et c'est une catastrophe. Est-ce que ça va nous provoquer une voiture de sécurité? Attention, les Sauber qui passent, Magnussen également. Et les deux pilotes qui miraculeusement peuvent repartir, mais la course est terminée. La course est terminée pour les deux. Lewis Hamilton qui vient de perdre la tête du championnat, c'est désormais acté. Alors va-t-on sortir une virtual safety car? Il y a beaucoup de débris dans le premier secteur, 27e tour de course. La direction de course qui ne semble pas broncher. Et on va donc poursuivre. Ouais, et on voit des commissaires, nous, qui viennent rechercher les morceaux des ailerons des voitures. Mais comment peut-on en arriver à ce niveau-là de ne pas prévenir un pilote isolé, qu'un pilote beaucoup plus rapide revienne sur lui? Quand on fait le calcul, il y a l'ingénieur qui prévient le pilote. Il y a un message sur son volant, un message digital sur le bord de piste, plus les drapeaux bleus des commissaires que l'on salue au passage et qui font toujours un travail formidable. Et regardez, la piste est nickel. Et on annonce 5 minutes, alors que derrière, voilà, c'est la foire d'empoigne pour les autres places sur le podium. On a Van Dorn en tête, certes, mais ici, eh bien voilà, Verstappen qui double son équipier, alors que derrière, on a les Ferrari et les 3 Force India qui se battent. Bon, et eh bien du coup, le bilan est simple. Désormais, on a donc en tête Stoffel Vandoorne, devant Raikkonen, et désormais Verstappen, et
Ricciardo. Et Joluc au quatrième rang devant Sébastien Vettel. Ah non, c'est Vettel qui est deuxième, pardon. Autant pour moi, c'est Sébastien Vettel qui est deuxième. Raikkonen qui avait effectivement perdu plusieurs positions à l'issue de la safety car. Navré pour cette approximation. Et on poursuit, on est dans les dernières boucles de ce Grand Prix d'Allemagne. Regardez à quoi cela tient. Oh, et on rentre au box. Arrêt au stand pour le pilote mexicain Sergio Pérez. Qui a fait une belle course, mais qui doit encore observer un arrêt. Je pense qu'on va lui remettre un train de soft. Hein. Si on met des médiums, ça n'a pas de sens. Non, de super soft, intéressant. Et ce sont des super soft usés que l'on monte au mexicain qui repart un peu plus loin. Et regardez, dans le 29e tour de course, il fait très mauvais. Et il ne pleut pas encore hein, de notre côté. On a un baromètre humain simple. C'est la tribune devant nous. Si on voit arriver les parapluies et les capuches, eh bien, c'est qu'il pleut. Et regardez, nouveau tour couvert. Sous l'acclamation des supporters dans le stadium qui voudraient bien voir Sébastien Vettel aller chercher ce diable rouge de Van Dorn qui en tête prive les Allemands d'une victoire d'un de leurs héros. C'est vrai que c'était pas gagné. Allez, avec Vettel en caméra embarquée. Bon, Vettel qui peut passer. Vettel qui pourrait passer avec le DRS. Bon, Van Dorn qui doit résister alors que ça y est. Et de la pluie arrive dans le virage 14. Pluie au virage 14 rapportée par quelques pilotes de fin de peloton. Est-ce que Vettel va s'emparer de la tête du Grand Prix d'Allemagne alors que la pluie commence à tomber? Et Van Dorn qui bloque ses roues, qui emmène un peu plus loin Vettel. À la réaccélération, l'Allemand ne peut pas profiter de ses pneumatiques. Ça y est, il pleut à Hockenheim. La pluie commence à tomber. Les gens devant nous qui sortent leur parapluie. Mais il ne pleut pas sur tout le circuit et ça ne vaut pas pour l'instant la peine de monter des pneus intermédiaires ou des pneus pluie. On reste en pneus slick pour l'instant, mais il pleut ici à Hockenheim et ça va commencer à glisser. Vettel à la chasse pour peut-être prendre la tête de ce Grand Prix. On voit l'aileron arrière droit abîmé. Le flap droit de la Ferrari qui est endommagé, quelques dixièmes de perdu. Et il pleut, ça y est, c'est désormais officiel, la pluie qui tombe sur Hockenheim. Et il ne va rester que quelques boucles pour déterminer le nom du vainqueur de ce Grand Prix. Va-t-on aller jusqu'au bout en pneus soft ou va-t-on devoir passer pour des intermédiaires ou des pneus médiums pour Van Dorn? Est-ce que Van Dorn peut remporter ce Grand Prix? Et les deux Ferrari désormais sur le podium. Raikkonen qui s'est débarrassé de Verstappen. Oh, attention! Et ça glisse beaucoup! Ça glisse pour Van Dorn avec certes les pneus usés, mais la pluie qui arrive, Vettel à l'extérieur! Et le pilote allemand qui s'empare de la tête de son Grand Prix. Et l'acclamation dans les tribunes, ça scande dans le stadium qui est en train d'exploser sur les écrans. Et Van Dorn qui repasse à l'extérieur! Il pleut, les voitures sont noyées de gouttes. Et ça ne va peut-être pas être suffisant pour Vettel à l'intérieur dans le droit. Oh, le contact entre les deux voitures! Vettel qui a peut-être laissé un petit morceau de son aileron là dans le virage, mais ça risque d'être l'explication jusqu'au bout entre les deux. Et la pluie ne va pas aider les choses. Les dérives du train arrière en sortie de virage peuvent jouer des tours. Regardez Vettel, plus rapide que Van Dorn et Raikkonen, qui revient évidemment puisqu'il y a du temps perdu. Les 4 leaders de ce Grand Prix à moins de 5 tours de l'arrivée qui sont dans les deux mêmes secondes. Qui va remporter ce Grand Prix d'Allemagne? Va-t-on rentrer monter des pneus pluie? Et Van Dorn à 3 tours de l'arrivée qui continue et tout le monde continue. Et oui, les gouttes de pluie ne sont que légères et fines et il n'y a pas encore de gouttes d'eau sur les caméras de la FOM. Oh, et Van Dorn qui part au large dans l'AstroTurf. Oh, c'est très compliqué, c'est le même limite pour le pilote belge. Et il va y avoir une voiture retardataire qui va se présenter devant les leaders. Attention au drapeau bleu. Je pense que c'est une Manor ou une Haas. Je n'ai pas bien vu la couleur. Derrière, peut-être que Raikkonen va aller chercher son petit camarade de Vettel. C'est bien une Manor devant. C'est Rio Arianto. Oh, le blocage de roue pour Van Dorn. Et là, ça glisse. Hein. Là, il y a de l'eau. Les premières gouttes qui apparaissent sur la caméra de Sébastien Vettel. Ça y est. Là, on peut estimer qu'il faudra d'ici moins de 2 tours, si ça continue, rentrer mettre des pneus pluie. Oh, il pleut des cordes dans le stadium. Les gens viennent s'abriter un petit peu partout. Et bien voilà, quand on vous disait qu'il a pleu. Oh, le contact Vettel en tête à queue. Vettel en tête à queue, catastrophe pour le pilote Ferrari. Oh, et la désillusion dans les tribunes du stadium. Fin des espoirs de Vettel qui est allé toucher Stoffel Van Dorn.
Le pilote belge qui a laissé la porte ouverte, mais à la réaccélération trop tôt. Trop tôt pour Vettel qui laisse passer devant lui tout ce peloton. Et c'est terminé, pas de points pour Vettel. Et ça va faire les affaires au championnat de Kimi Raikkonen, qui va bien sûr s'emparer des points de la deuxième place, voire de la victoire. Est-ce qu'on va rentrer au stand dans les prochaines secondes? Oui, ça plonge. Van Dorn est dans le gravier au box, il pleut. Et Yann Manor aussi qui est rentré. Montée des pneus intermédiaires. Et Raikkonen est en tête du Grand Prix devant Max Verstappen. Ces pilotes-là ne sont pas rentrés pour des pneus intermédiaires. Et Van Dorn qui sera le premier avec Arianto à monter des pneus intermédiaires. Rosberg également au box. Nico Rosberg qui monte des intermédiaires, ça va peut-être sauver sa course. C'est parti, regardez, ça glisse. Et on va devoir constater les écarts de trajectoire avec les pilotes en slick. Voilà, je vous le disais, tout le monde rentre. Les deux Williams, Hülkenberg, on a vu Rosberg. On voit Pascal Wehrlein qui arrive, on voit et derrière finalement Sébastien Vettel. Ah, Vettel qui aurait pu passer tout de suite avec Van Dorn, c'est dommage. On est en train de suivre Marcus Ericsson qui continuait. Et on rentre, voilà Vettel avec des intermédiaires. Nasser, Palmer également. Et ça remonte, Van Dorn qui remonte, il est en train de dépasser Carlos Sainz. C'est fait, ils sont à l'arrêt, il pleut vraiment fort maintenant sur toute la piste d'Hockenheim. Et il va rester deux tours, arrêt au stand pour Lewis Hamilton qui a dû continuer un tour supplémentaire en pneu dur. Allez, on revient au direct avec la Manor devant qui doit s'écarter. Van Dorn qui est cinquième de ce Grand Prix, est-ce qu'il a fait le bon choix? En rentrant un tour plus tôt, la Manor qui ralentit devant. On est stoppé complètement pour Ricardo l'Australien qui est plus lent que la Manor avec les pneus intermédiaires. Et Van Dorn lui va y aller, hein. Il ne va pas hésiter et il passe. Ricardo arrêté. Le prochain c'est Daniil Kvyat, le russe, pour l'instant sur le podium. Et il va rester un tour de course. Et à l'extérieur, regardez, il dépose totalement Stoffel Van Dorn, le pilote russe. Et on entame la dernière boucle. Et ça va rentrer au box pour Raikkonen et pour Verstappen. Van Dorn est en tête du Grand Prix d'Allemagne. Qui aurait prédit ça il y a de cela encore 15 tours? Et on monte les intermédiaires pour Verstappen qui va repartir avec devant lui Raikkonen, Kvyat également. Et là tout le monde passe évidemment pour des plis. Il faut aller en tête, voir ce qui se passe. On change le museau de Verstappen qui doit changer son museau même pour un tour. On ne laisse pas la voiture endommagée. Ah, et encore du temps de perdu et des places qui s'envolent pour le Néerlandais. C'est dommage, il avait animé la course. Et c'est aussi des pneus intermédiaires évidemment pour tout le monde. Il faudrait aller voir la tête de course à la réalisation. Qu'est-ce qui se passe? Et la tête, alors qu'il va rester deux secteurs pour aller remporter ce Grand Prix d'Allemagne, peut-être au bout la deuxième victoire du pilote belge. Tout le monde en tête est en intermédiaire, donc Raikkonen deuxième. On a toujours sur notre transpondeur Verstappen troisième, mais il a dû changer de museau. Est-ce que Stoffel Van Dorn va aller remporter dans les mêmes conditions qu'en Autriche son deuxième Grand Prix de la saison, alors que Vettel a été poussé à la faute dans sa lutte avec Van Dorn, que Hamilton s'est complètement raté en stratégie, Rosberg également. C'est Raikkonen qui au championnat est en train de faire un coup fumant avec peut-être la deuxième place et la victoire. Attention, n'a pas terminé. Les tribunes sont debout ici malgré la pluie. Stoffel Van Dorn qui va sortir des deux derniers droits du circuit d'Hockenheim. Le stadium est en liesse ici pour annoncer la victoire du pilote belge. Ça va être fait d'ici quelques secondes. Quelle surprise de voir la McLaren remporter son deuxième Grand Prix cette saison. Et c'est fait, victoire de Van Dorn ici en Allemagne devant Raikkonen et semble-t-il Max Verstappen. Tu as travaillé dur pour obtenir cette victoire, félicitations. Et la victoire donc pour Stoffel Van Dorn. Quelle surprise dans un Grand Prix d'Allemagne qui n'a pas manqué de rebondissement. Pour McLaren. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Dans ces conditions, les pilotes ne réussissent à maîtriser leur véhicule qu'au prix d'efforts colossaux. Cette victoire est donc tout à leur honneur. Ils ont su exploiter au mieux l'adhérence, les bonnes trajectoires et n'ont pas hésité à hausser le rythme pour tirer leur épingle du jeu. C'est ainsi qu'ils ont décroché la première place. Les voici qui s'avancent vers le podium. L'écurie McLaren a fait une excellente course et je suis heureux de les voir sur la première marche du podium.
Et nous découvrons ensemble le tableau final de ce Grand Prix d'Allemagne, avec donc la victoire de Stoffel Vandoorne. Donc classement général, voilà ce qu'il y a à retenir, c'est Kimi Räikkönen qui fait le hold-up en prenant la tête devant Rosberg, Hamilton reste 3ème, et Vandoorne passe Vettel au classement général. Au niveau des équipes, c'est Mercedes qui continue à mener, même si Ferrari se rapproche bien, Mercedes qui a perdu beaucoup aujourd'hui à la maison. Et bien aussi, notons qu'il n'y a que très peu de points entre Red Bull et McLaren. Voilà, c'est ce qu'il y avait à retenir du Grand Prix d'Allemagne 2016. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de la saison. On se retrouve sur les terres de Stoffel Vandoorne. Ce sera Spa-Francorchamps pour un Grand Prix qui s'annonce tonitruant. Et on peut déjà vous dire que la météo s'annonce coriace. Merci de votre attention et votre fidélité. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.